Salut tout le monde, c'est Gazox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième fois que je recommence ça. Alors j'ai passé le en fait on a dû parler à Tyrael et j'avais pas mis de son et j'ai essayé de le mettre, ça a arrêté ma vidéo. J'ai voulu mettre le son sauf que ça a affiché mon Sony Vegas, donc voilà. Je recommence vite fait. Allez-y, allons-y, à l'acte suivant. Donc j'imagine qu'on change carrément de ville principale, donc ça va plus être Tristram. Une cinématique, ok. Je coupe mon micro. Il voulait tant y voir une prophétie. Descartes a tout sacrifié pour nous protéger. Mais sa quête n'est pas achevée. Qu'est-ce que vous savez du sacrifice? Tyrael! La loi éternelle des cieux nous interdit formellement d'intervenir dans le destin des hommes. Mais tu l'as transgressé dans ton orgueil. Ma seule faute, Imperius, est d'exercer la justice. Pendant que tu te terres derrière ton trône. Silence! Tu vas répondre de ta transgression! Tu ne peux me juger. Je suis la justice incarnée. Nous avions une mission. Protéger les innocents. Mais si nos précieuses lois vous condamnent à l'inaction, alors je ne peux plus être dévot. Tu as choisi de devenir humain. J'ai choisi d'être l'un des vôtres. Car c'est en l'humanité que réside le seul espoir de ce monde. Je n'ai jamais cru à tes folles. Que tu n'as pas pu achever. Je vais la mener à bien. Je t'en fais le serment. L'acte 2, donc, en espérant que ce soit pas une suite de cinématique. Tristram va t'en sauver. Je chemine vers Caldeum, la grande cité de l'Orient. Elle est tombée aux mains de Belial, un des derniers seigneurs des enfers. Mon devoir est de la libérer. Donc voilà, c'est pas la même couleur, on a changé, donc tenez, je regarde juste ce que j'ai.
Ah ouais, quand même. Donc j'ai un petit peu de stuff. Petit peu de stuff là, mais c'est beaucoup de choses à vendre. J'espère qu'on va arriver dans une ville. En fait, non, j'avais pas vu. Donc oui, très bien. On est dans une ville de toute façon. Je vais pouvoir vendre ce qui est en trop. Après, on va pouvoir continuer cette quête. Marchand, ok. Pas spécialement, non. Mais pas vraiment de grandes difficultés. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Alors, attendez. 1 500 000, c'est beaucoup quand même. 2 millions. Je pense que c'est plus tard que je vais pouvoir faire ça. Parce que pour l'instant, c'est cher. On va tout réparer. Et on va continuer. Continuer. Je vais juste voir si je peux créer quelque chose. Ok, donc on va continuer. J'ai pas spécialement envie de forger de toute façon. Ok, donc on va aller par là-bas, c'est parfait. J'ai oublié de vendre ça. Juste lancer ça, rien. Rendez-vous à Soukadam. Ok, de toute façon, c'est dans la quête. Alors, j'espère qu'il va y avoir un peu d'action et mais on n'a pas affronté l'autre, il me semble. Donc, je ne l'ai pas tué, je m'en rappelle plus. Oula. J'ai pas spécialement envie de faire la requête. Ouais, j'espère qu'elle sera un peu plus compliquée que les autres. Trop bien! On est trois. Ah non. Ouais, donc si elle a pas de vie, elle va. Preuve de prudence. Mais ses parents ne semblent pas comprendre.
Ok donc. Donc. Par contre, il meurt assez vite, c'est dommage. J'ai l'impression que les rochers peuvent pas me blesser, c'est dommage. Ok, donc s'il reste avec nous, c'est parfait. Oula. C'est tout ? Vous êtes sérieux ? Donc je vais essayer de faire les deux quêtes comme toujours c'est grand. Bon, ce qui est bien c'est qu'ils sont pas spécialement dangereux. Ok, pas grave. Donc il faut que je détruise à peu près tout ce que je croise. Ça, c'est impressionnant ces grottes. Ok, super. Je sais pas pourquoi. Je déteste ces grottes. Deux passages. On passe par là. On verra bien. Ça a l'air d'être une suite. Ça a l'air. Mais bon. Dernière fois que j'ai dit ça, c'était pas bon. Que bon. Pas par là. Ça c'est déjà bien. Ok, parfait. C'est quoi ça? Tas de pierre. De l'or. Les tas de pierres qui donnent de l'or. Cool. C'est dommage, ça arrive pas dans la vraie vie, ça. Ça pourrait être pas mal. Les tas de pierres qui... Enfin, quand on les enlève, il y a, je sais pas, des billets qui sortent ou des pièces. Ça pourrait être cool. Bon. Ah, bah, ça a l'air d'être le bon chemin. Enfin, j'espère, parce que sinon, j'ai... Faudrait que je retourne en arrière, ce serait dommage. Normalement.
normalement il reste lui, voilà. Alors là il y a un passage. Ok, donc ça c'est la suite. On va, je vais quand même aller regarder à l'opposé. Au cas où qu'il y a un coffre intéressant, on va dire. Ou peut-être que c'est un autre passage, ce serait bizarre. Ça va. C'est quoi ça? Ok, ça, c'est des ça fait des dégâts ça en plus. Putain, on dirait des Vel'Koz vivants quoi. Enfin des Vel'Koz mais ils bougent pas en fait. Oh l'arnaque. Ok, ok. Un deuxième passage. Ok. Un coffre, c'est bon. J'aime bien les coffres. Ouais. Bon, celui-là est un petit peu inutile. Ok. Ça c'est pour aller plus vite, c'est utile aussi. Pour me rendre de la vie. Je crois que je vais revenir en arrière et faire un passage numéro 2. Oh merde. Carrément. Donc là j'ai l'impression d'avoir fait un grand tour. Mais quand même était long hein. C'est une blague. Je n'ai plus assez d'esprit. Ok. Encore et toujours les loots sont nuls. Je vais continuer, je vais revenir. Puis je vais aller vers la sortie. Hein. Je reviens en arrière. Bon, bah j'ai plus qu'à revenir en arrière en fait. En plus, j'ai eu le boost de speed. Ok, donc en fait, c'était juste une très grande grotte, tout simplement. C'est tourner en rond, perdre du temps, génial. Faut bien que ça arrive au moins une fois par épisode. Ce serait dommage sinon. J'espère que boost de speed va rester jusqu'à la fin. Enfin jusqu'à la fin. Au moins jusqu'au niveau 2. Presque. Ouais ça c'est bon. Ça va. Ok, encore par. Passer au niveau 2 en espérant qu'il y ait moins de passages, sinon je risque encore d'y passer du temps. C'est quoi ça? Vos temps de recherche sont réduits. Ok, un bon coffre. C'est dommage, c'était joli. Oh, ça par contre c'est déjà plus utile. Bon, y'a quoi là-bas? Non, je. Ah oui, la partie 2 est très très rapide par contre. Ah oui, très rapide en fait.
tireur d'élite. Ok, Ok, donc c'est bon. C'est bon. On peut rentrer, ok. Donc ce n'était pas par là, apparemment. C'est dommage, on les voit arriver. What? C'est quoi ce cri là? Sérieusement. Ah non, mais tu restes hein. J'adore ce truc. Cool, des gemmes. Rien d'intéressant à part ces gemmes là. Ça c'est pratique, ça peut être cool pour forger. C'est quoi ça? C'est dommage, on peut pas voir plus. Donc on va revenir en arrière. Voilà l'un des antres des fanatiques. Il s'y enferme pour invoquer une partie des illusions. Ok. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, en fait c'était vraiment tout. C'est nul. Ouais, par là. Ok. Là? Non, pas du tout. Quoi? Ah voilà. Et les traces de pas sont où? Ah, je vais remonter. Ah ok. J'ai juste pas été au bon endroit en fait. Par là. Regardez, d'autres traces de pas. Donc, il y a encore des démons, des pigeons. Ah, ça fait des dégâts ça en fait. Ok. Pour le peu de dégâts que ça fait, c'est pas grave. Mais... les traces de pas par là, c'est pratique. Ces infâmes fanatiques sont passés par là. Les cadavres de
Ah ok, par là, parfait. Peut-être que ça va être plus compliqué cette fois. Non, pas spécialement en fait. De rien. C'est tout? Oups. Puissant, puissant. Oh merde, je suis en cooldown. Puissant, puissant. On voit pas de quoi tu parles. Alors par contre, ce qui est puissant, c'est ces rayons laser au sol. Parfait. Ah, carrément un bouclier et tout. C'est bien ça pour moi ou... Je sais pas si c'est utile en fait. Ça me paraît bizarre mais... Ah oui, carrément. Attendez, je vérifie un truc. 93. Non, c'est alt. Ah ouais, carrément, oui, c'est 4 fois mieux. 4 fois mieux, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc le oula, le bouclier qui est très très utile hein. On va essayer de continuer tout droit, pas s'arrêter à chaque fois qu'on rencontre des monstres. Ah, quelque chose d'intéressant. Ouais. Elle est utile. En espérant qu'elle fasse plus de dégâts que l'autre là-bas. Ah ouais. Alors en vous temporairement un ennemi et le force à combattre pour vous qui inflige d'importants dégâts aux ennemis. Parfait. 20, 25, 30. Ok. Ah, bâton. Allure bâton. 17. Et j'avais pas un bâton. 21. Trouvons autre chose. Pourquoi? Sorcier. Je ne sais pas m'en servir. Ok, carrément. Bon, pas grave. J'essaye des choses. Je ne sais jamais. On va continuer donc. Trouver la main avant-poste de Kazim. Okay. C'est dommage, on peut pas être à 3. Ça aurait été cool de garder le Templier. Je dois donc traverser l'avant-poste de Cassie. C'est chier. Ouais, je sais pas si je visite tout. On va tout visiter, on va faire le tour. Vos forces vous abandonnent.
C'est joli voir ici, il n'y a pas de coffre caché en quel... Non, pas du tout. Ok, sympa. Par là. Vos forces vous abandonnent. Bon. Ok, pas par là. Les dieux frappent par ma main. Mais tu reviens, moi. Voilà. Ah, bonjour. Trop bien. J'adore. Attends, oh c'est une blague. Oh non. Moi qui pensais qu'ils allaient être gentils. Qu'ils allaient pas mettre de temps et tout, parce que voilà. Wouah! En plus, en un temps imparti, mais c'est n'importe quoi. Non, mais tu vas revenir, oui. En plus, ils s'enfuient quand ils ont plus de vie et tout. Tu vois le bordel. Non. Voilà. Oh non, reviens, voilà. Donc le but c'est de se dépêcher. Je n'ai plus assez d'esprit. Please quoi. Victoire ? Diablo, hein, très dangereux. Par contre, j'ai plus de temps. Et clairement, j'ai plus de temps. Et j'ai l'impression que c'est la fin pour moi. En espérant que ça soit qu'une simple impression. Ah si. Eh ben putain. Ah non, tu te fous de moi, putain de connard. Dégage. Ok, par contre, toi, j'ai un bâton, exactement le même. Ok, parfait. Alors, par contre, je vais juste me débarrasser. Ok, c'est parfait. J'aime l'or.
Fatigant aussi. Parfait. Bon, pas grave. Ouais, tu parles d'un trésor, toi, putain. Hey. Mort. J'espère que c'est par là. Par contre, je pense que je vais arrêter. Ouais, je vais arrêter la vidéo là. J'ai plus de batterie. C'est une blague. Ah ben non. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura pas plu. J'espère qu'elle est pas très longue. Pensez à mettre un commentaire, un pouce vert, à vous abonner. Plus, à plus. Ciao.